Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est ici Landron pour le 18e de mon 18e épisode pardon, de mon Let's Play sur le jeu Age of Mythology, première campagne, voilà. Et non, je n'ai pas trouvé le moyen de rajeunir et de retourner ou de retourner en l'an 2002. Non, non, je me suis simplement coupé la barbe, voilà. Donc on va continuer, on est arrivé en Scandinavie, ça fait déjà deux missions, bah on va continuer sur les missions. Allez, c'est parti, direction bah, le nord. Pas d'ici. Bah, s'il n'est pas d'ici, il est de là-bas. Ha! Je suis drôle. Venez, venez, réchauffez-vous auprès du feu du vieux Skelt. Avez-vous vu un géant borgne passer par ici, vieil homme? Si vous cherchez des géants, il y en a beaucoup. Ragnarok est proche. L'ultime bataille. Dès que les Scandinaves ont commencé à se battre, tous les géants ont quitté les collines pour les rejoindre. Nous devrions convaincre ces Scandinaves de nous rejoindre au lieu de s'entretuer. Ils tueraient des étrangers dès qu'ils les verraient. Je détiens la bannière de mon village. Si vous la brandissez, ils cesseront de combattre le temps de vous entendre. Mais ils ne changeront pas d'avis. Essayons toujours. Le col entre ici et les clans grouille de géants. Mais si vous promettez de me protéger, je vous accompagnerai. Ok. Mission d'escorte, il semblerait, du coup. Protéger Skull et le drapeau. Guider Arcanthos, Skull et le porte-drapeau de Folstack vers le drapeau sur le sentier. Bon, ça va, ils ont pas l'air de trop se défendre en face. Ok. On va le faire, hein. Vous savez quoi, si ça se trouve, ils vont nous repoper dans le dos. Ce qui m'emmerderait beaucoup, du coup, on va le faire gentiment. On va détruire le bâtiment, si ça se trouve, il y a aussi quelque... Ah, d'accord, ça ripop. Qu'est-ce que tu fous, toi? T'es un ami 20 plombes à réagir. Hein. Ah, d'accord, c'est de l'auto-ripop. On se casse. Putain, ça saoule les trucs qui auto-repop tout seul là. Il pourrait prévenir parce que du coup on se fight bêtement contre des adversaires qu'on devrait pas se fight avec. Alors, toi tu me fais un petit peu peur. Où est Skull de bidule? Je cherche. Oh, t'es là toi. Bon, ça a l'air d'aller pour l'instant. Alors, non, pas de ripop. On va s'en occuper. Il y a un géant là-bas. Faut qu'on aille tout là-bas, là-bas, là-bas. Et il n'y avait rien, mais au moins on est tranquille. Donc, il y a un géant à gauche. On va peut-être pas s'y attaquer, ça serait bête. Ah! Donc là, il y a de quoi possiblement s'installer. Que faisons-nous? Seules des armes de siège pourraient déboucher ce mur. Préparons-nous. D'accord. Des armes de siège. Ok, donc là, on a récupéré de quoi. On a récupéré de quoi faire une colonie. Bah, du coup, on va faire une colonie, tout simplement. Ah, une 199. Ok, d'accord. Il faut effectivement des armes de siège parce que sinon à la mano ça risque d'être particulièrement longué. Surtout que anti-tranchage, anti-perçage, ouais, il faut des armures de. Il faut des armes de siège. Donc il faut qu'on passe à. Passe à l'âge héroïque. On a l'âge classique, donc deux âges. Je crois que c'est deux âges. Ouais, ouais, ouais. Donc se méfier. On a de l'or à côté. On a 6000 d'or. Ouais, ça devrait aller. Je pense qu'avec ce qu'on a autour de nous, ça devrait largement aller. Alors, on a quelques petits trucs. Alors, un amasseur. Ici, un amasseur. On va faire un peu de tout, hein, évidemment. Alors, là, il y a Ulskar. Alors, faut évidemment que je m'occupe de...
Des créatures qui peuvent venir nous attaquer comme celle-là. Donc, hop, je vais faire un groupe d'ailleurs. Hop. Petit groupe. On va tout simplement faire un 10-10-10 comme d'habitude. Il va falloir que je construise des maisons d'abord. Voilà, déjà ça. Allez, c'est parti. Donc là je suis en train de casser les rochers, je suis presque au bout, mais oui, voilà, il y a ça qui me fonce dessus, je suis au milieu, comment dire, à caca, à gros caca dans pas longtemps, je sens que ça va me rusher à la gueule, du coup, on va essayer de se tirer gentiment. Allez, 500 PV, ouvrez-moi ça, que je puisse passer. Allez. Mais une armée est à nos trousses. Dirigeons-nous vers le nord, vite. Vous avez raison. Okay. Nous ne les vaincrons pas. Retirons-nous au nord, maintenant. D'accord, donc là je me casse. Je vais essayer de me casser avec mes péons. On va voir ce qui va se passer. De toute façon. Ce qu'on va faire. Je vais tout regrouper. Tant pis si j'ai plus de péons et voilà. Je vais. Hop. Je peux tout prendre. Allez, vous êtes sur deux. Et nous, on va avancer avec la grosse armée. Normalement, il n'y a plus personne. Ils vont tout détruire. Mais ils l'auront dans le cul. Parce que moi, je me serais barré. Ah, d'accord. Toujours plus vibrer la map, hein. Allez, finissez ça. Ils sont quasiment morts. Bon, moi aussi, mais... Bah, ils étaient beaucoup. Je pense que résister à ça, fallait y aller quand même. Hein. J'ai perdu un forum. Bah ouais. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, feu de la forêt. Cool. Les dieux nous ont bénis. Pile au bon moment quand même. Hein. Mais sinon j'avais plein d'unités pour pouvoir raser la forêt. Ah, par contre il me colle au cul là. Allez, on va faire... on laisse personne derrière. On y va tous ensemble. J'ai quand même pas mal d'unités du coup. Là, elles sont toutes regroupées. C'est assez rare de voir ça d'ailleurs. Bon, par contre, j'aurais clairement pas pu résister à ça, à moins d'avoir... ouais, si, j'aurais pu le faire. Je pense que c'est possible de résister à ça si on fait des bardés de murs et que et qu'on met des tours de siège, enfin des tours de défense et tout pour en soutien. Je pense que c'est faisable. Oui, j'ai gagné. Je pense que c'est faisable, en tout cas en modéré. Sur les niveaux supérieurs, je dis pas. Allez, on fait la deuxième mission de cet épisode. Comité d'accueil. Regardez, ils ont arrêté de se battre. La bannière fait effet. Oh, ça me fait tellement penser à Camelot. Je n'en crois pas mes yeux. Les hommes de Falstaff osent venir ici. Falstaff a dévoré mon bétail et jeté ma cabane dans le fleuve. Tuez-les! Tuez-les tous! Ah. Mec. En défense! Lanciers, alignez-vous! Archers! Décochez! Skip! Qu'est-ce? Il va falloir défendre? Je ne comprends pas pourquoi les Scandinaves nous ont attaqués. Apprécier ma bannière. Ils pourraient peut-être en tirer avantage. Ces hommes semblent attirés par la bannière de Skuld. Utilisons-la pour attirer les chefs de clan et les vaincre. Ils cesseront peut-être de se battre. Attirons les Scandinaves hors de leur camp et tendons-leur une embuscade à découvert, là où ils sont vulnérables. D'accord, ok, préparez une. Bâtissant au moins 5 tours.
Je la fais où? Je la fais là? Putain, je comprends pas ce qu'ils veulent. Je ne comprends point. Alors vous n'êtes pas obligé de tous vous rusher sur la figure là. Non, pas toi. Je vais bientôt plus avoir de bois, tant pis. Ok, donc on fait ses tours. Va falloir ensuite que j'utilise la bannière. Je suppose que je vais me rapprocher du truc et puis ils vont essayer de me suivre et moi je vais me barrer. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout cela ensemble. Ok. Ils vont bientôt avoir fini. T'as fait du bruit, ma chaise. Voilà. Servez-vous du porte-drapeau de Bidule pour attirer les trois chefs de clan dans une embuscade et tuez-les. Ok. Je sais pas viser. C'est pas toi que je voulais que tu viennes. Oh putain. Je suis tellement dans la merde. Tu veux pas venir, le chef de clan là? What? Sa mère la pute! Alors attends, non. Y'a pas le chef? Putain, il est trop loin le chef. Merde, j'ai complètement foiré mon truc là, j'ai l'impression. Ah ouais, non, mais j'ai même plus que foiré quoi. Ok, bon bah je recommence. Bon, alors, on va retenter le truc. Je sais pas trop comment en fait. On va essayer du côté rouge plutôt. Enfin, du côté fuchsia, rose. Il faut attirer le chef de clan. J'ai peut-être une idée. On va attirer. Je vais essayer de faire ça. Je vais les attirer, je vais les forcer à sortir. Sous le feu des tours. Bonjour, c'est moi. Tu veux pas? Là. Non, nous on va passer par derrière. Et lui. Voilà, il est en train de se faire défoncer. Si ça se trouve, on va pouvoir l'avoir. Merde, merde. Oui! Nos haches vous obéissent. Alors, par contre, je tape contre un morse. Ok, d'accord. Bon, bah, ça marche comme ça, nickel. Ah, du coup, je me retrouve avec énormément d'unités. Hein. D'accord, il reste un violet, tranquillou. Donc. En même temps, je suis à 200 tout d'un coup. Ok. Bah, easy alors. J'ai envie de te dire que c'est assez facile. T'es où? Ah, t'es là. On va faire la même. On va faire carrément la même. Non, merde. Contrôle 1. Putain, j'ai trop d'unités, ça fait ramer le PC. Hop. Vivement que j'en change. On va faire pareil. On va mettre toutes nos unités ici.
On va faire pareil avec les verts. Vous voulez pas sortir? Ah là quand même. Ah d'accord, ils sortent pas encore. Eh merde, ils ont pas bougé. Si, il a pas bougé le type, bon tant pis. Ça fera quelques unités en moins pour les verts. Et puis de toute façon j'en ai tellement des unités, je pourrais tellement rusher leur figure. Ok. Bon, on va faire la suite hein. Désolé. Ça devait sortir, c'est sorti. Allez, maintenant c'est à l'autre abruti de sortir un petit coup là. Ah bah voilà. Hop. À quoi servent les tours? Une bonne question, je n'en sais rien. Allez, dès qu'on peut, on leur rachète la figure. Toi, tu continues d'avancer. Parce que tu vas te faire courser sa mère. Merde! Putain, je me suis mélangé dans mes doigts. Merde. Alors, attends, faut pas que tu crèves. Il en est à où? Il en est à beaucoup trop dit. Putain, oh là 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 là. Votre petit premier niveau. Putain, j'aurais jamais dû faire ça. Vous avez vaincu Arngrim. Vous êtes vraiment un grand guerrier et nous vous suivons. Pouah la vache. Ah, j'ai carrément trop d'unités. Bon, allez, le dernier. Dernier, on va se mettre par là. Tout regroupé. On va mettre un... Troisième. Premier, voilà. Il est où? Là. Bon, on va finir par y arriver. En espérant que je me mélange pas trop. On va le forcer à partir par ici. Allez, c'est parti. Il est là. Ah, il se fait courser. Où est-ce qu'on en est à ce là? Oh, il y a moyen. Ah, pourquoi tu t'arrêtes? Nice. Ben voilà. Et c'est la win. Et c'était facile. Et oui mon gars. Du coup voilà, deuxième mission, il doit plus rester beaucoup d'épisodes mais voilà, je préfère arrêter là, je pense que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes toujours pas abonné, et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.